Yo les gars, c'est Madine Bou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo invocation pour essayer d'avoir DLR. En l'occurrence Madine VGTLR qui est sorti donc comme sur la Jap sur le portail taux doublé. On est un peu déçu parce que voilà, pour le Broly LR on avait eu un portail dédié au Broly. Donc son taux de drop était de 0,3 ou 4, je sais plus, donc c'était pas mal. Par rapport aux autres LR, hein, en comparaison sur la Jap, c'est 0,05, 0,8 à peu près, dans ces eaux-là. Donc là, c'est pareil. Le Majin Vegeta est bien dans ce portail. Broly LR aussi. J'ai pas Broly LR, donc si jamais il y a moyen de le choper, ce serait pas mal, même si j'aime pas trop Broly. En gros, voilà, si j'ai Broly LR, tant mieux. Si je l'ai pas, ça me va aussi. Par contre, le Majin Vegeta LR, oh là là, il y a un... Le taux est tellement faible que bon, je sais d'avance que je vais pas l'avoir, mais sait-on jamais. Ce qui est dommage, c'est que ça me laisse perplexe parce que les 2 ans arrivent bientôt et du coup là je vais claquer 140 DS sur ce portail. Ça fait mal parce que voilà, 140 DS pour les 2 ans, pour les CJ4 et tout ça, ça aurait été pas mal. Mais voilà, tant pis. J'invoquerai aussi sur les 2 ans. Mais là voilà, Majin Vegeta LR, il me fait de l'œil et on sait jamais, on sait jamais. Alors je vous montre vite fait où est-ce qu'il est. Je crois qu'il est plus vers le bas. Ciampa, non, est-ce que c'était avant Ciampa que je l'ai vu? Non, c'était après Zamasu, c'était après Zamasu. Alors où est-ce qu'il est? Ah voilà, le retour du destin, Broly, SSR puissance. Je crois bien que c'est le LR. Le retour du destin, oui, c'est lui que voilà. Et le Majin Vegeta, un cœur rempli de vie, SSR agi, donc c'est lui. Et on va commencer pour se mettre dans le bain avec des petites singles. Des petites singles, on sait jamais, hein. Tout doublé, donc 20% à peu près, ou 21 ou 22, ça dépend si le portail est à 10 ou 11. 4 petites capsules, alors je crois que c'est SR garanti à chaque fois, donc c'est minimum un SR, ouais. Ouais, parce que j'ai vu des multi, oui. De ce que j'ai vu, c'est toujours des SR. Donc, SR minimum, donc c'est pas mal. Avec un... Oh, bon, on commence avec un SSR. Ça aurait été bien que ce soit le Majin Vegeta LR, mais bon, voilà, lui, je ne l'avais pas. En plus, il a eu son Dokkan aujourd'hui. Ou son Rebirth, je sais pas, je crois que c'est un Dokkan. Si c'est briser la limite, c'est un Rebirth, sinon c'est un Dokkan. Bon, en tout cas, voilà, premier SSR, première single, ça fait plaisir. Le Goku Kaioken, la carte en Dokkan est magnifique. Donc on va tout de suite le mettre en fave. On va continuer, on va encore en faire 7 petites singles. On sait jamais, hein, un petit SSR pour commencer. Alors Satan à droite, c'est moins cool ça. Bon après c'est SR garanti donc il va se transformer, ouais. S'il se transforme pas en général c'est des bye-bye vu que c'est SR garanti. En général, hein, y a plus de chances d'avoir un bye-bye, j'ai remarqué, sur le portail tout doublé. Attention, ah ça a bugué, non? Ok. Un SR, donc c'est le Goten Pui qui ne sert absolument à rien. D'ailleurs cette carte je la trouve, regarde ses chaussures. Non mais regardez sa jambe, c'est pas hyper dégueulasse, sérieux. Je dirais une jambe de... Je dirais il a un cancer de la jambe. Désolé en tout cas, hein, ceux qui... On sait jamais, mais... J'espère avoir offensé personne. Enfin moi je trouve cette carte, elle est dégueulasse, c'est un vrai bordel. Allez, on continue sur des singles. La troisième, bon ça va, on a eu un SSR pour débuter. En plus, un SSR pas dégueulasse. Oh, SSR garanti. Bon bah on a un SSR les gars. Et alors, Shenron, ça veut pas dire SSR du détecteur. Il y a beaucoup de gens qui pensaient ça, mais c'est pas le cas. Donc... Si on a le petit Majin, attention, attention. Ah, bon, voilà, un carnage. Bah, du coup, je préfère quand même avoir le... J'ai Majin Vegeta Tech, donc il me sert à rien. Mais c'est un SSR, hein. 3 singles de SSR, ça fait plaisir. Quand même, hein, on peut pas se plaindre. Un petit Xenotrunks qui me sert à rien, mais bon, il a sa spé gratuite. Grâce au Super Strike Xenotrunks Tech, si je me trompe pas. Et on va continuer, hein. Si on part comme ça et qu'on fait un SSR... Un SSR, c'est... Moi, je suis prêt, hein. Alors, 1, 2... Ah, 2, c'est un peu de la merde. Qui va se... Ah, on a peut-être un bye-bye, vu que c'est SR garanti. Enfin, pas forcément, mais je pense qu'il y a moyen, non? Non, autant pour moi. Donc, on peut avoir aussi un SR sans transformation, mais c'est normal, hein, c'est un SR garanti. Mais, en général, j'ai remarqué que sur le portail tout doublé, je me souviens, il y a très longtemps, il y a très longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'est pas apparu ce portail, donc quand j'avais invoqué, j'avais eu plus de bye guys sur les singles non transformation qu'à l'accoutumée. Donc voilà, peut-être c'était un pur hasard après, mais en général, voilà. Allez, on continue. Donc là, normalement c'est un SSR, hein, si on continue sur cette lancée, un petit SSR maintenant. 1, 2, 3, 3, bon. Enfin, moi j'espère que dans toutes mes invos, je ne vais jamais avoir de rainbow. Parce que qui dit à arc-en-ciel, qui dit relâche arc-en-ciel, dit plus de chances d'avoir un SSR du détecteur, et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Oh bon, ok, un petit couleur, je le garde au cas où pour le couleur Neo God tier, on sait jamais. Donc je préfère ne pas avoir de rainbow. Parce que qui dit pas rainbow, dit 50-50 entre un SSR du détecteur et un SSR qui n'est pas dans le détecteur.
Alors que si on a un Rainbow, je sais pas à combien monte le pourcentage pour le détecteur. Peut-être 7%, je sais pas. Un Dabra. Dabra qui me sert à rien. Dabra qui a... C'est dommage, il... Enfin, après voilà, moi j'ai pas envie qu'on ait des putains de cartes Dabra, mais une bonne carte SSR Dabra, ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'il y a un SSR Dabra? Je suis pas sûr. Putain, encore une capsule, c'est... Oh non. Bon, après ça veut rien dire, hein, mais... J'espère le Majin Vegeta, putain, c'est... ou même le Broly, en compensation, voilà, même si le Broly... Zarbon, Zabon, bon. Bon, dernière single, et ensuite on va passer à une multi, ensuite je verrai entre single et multi. Mais là, si tu peux me passer un petit 1, 2, putain, tu veux pas me passer, non. Ah là là, non, pas de Rainbow, les gars, s'il vous plaît. SSJ2, SSJ3, non. Allez, un petit SSR juste avant la multi, ça ferait plaisir, non? Ok, Vegeta. Alors lui, je vais le garder pour monter l'aspect du Vegeta Intelligence. Qui sert à rien, on sait jamais. Et puis on va partir sur la multi. Hein. Putain, j'y crois tellement pas à ce Majin Vegeta LR. En plus, j'en ai vu des mecs en une multi long. J'ai vu une multi d'un gars. Putain, c'est une blague, j'ai rien eu. Heureusement que c'est SR garanti. Hein. Bon, bye guys, c'est parfait. Enfin... On sait jamais ça, attention, hein, peut-être... Ok, bye guys. Bon, c'est l'ancien. Donc oui, je disais, j'ai vu un mec sur une... Oh, on commence avec Majoub. J'espère que c'est pas le SSR du bye guys. Que je n'avais pas, d'ailleurs. Je ne l'avais pas, celui-là, d'ailleurs. Si, ouais, je ne l'avais pas. Bon, écoutez. Deux SSR... Trois SSR que je n'avais pas. Putain, c'est parfait. Bon, c'est pas des SSR de ouf, mais c'est parfait. Hein. Je veux dire, ouais, j'ai vu une multi d'un gars sur Twitter. Il a eu le Broly LR et le Majin Vegeta LR dans la même multi. Est-ce qu'on n'est pas sur un mec qui a une chatte de ouf? Ah là là, Dr. Gero. Jaco, qui est très très bon lui pour le TB. Il stun toute l'équipe quand il arrive, une seule fois. Mais bon, je l'ai déjà. Table. Allez, encore un SSR. Allez. Trunks. Kameseni. Putain, je la sens pas. En plus, là, c'est soit une multi, soit des singles après. Videl. En fait, je crois qu'on va partir sur des... Ouais, bah putain, un seul SSR, quoi. Oh, la carotte, putain. Je crois qu'on va partir sur des singles, hein. Ah, on va partir sur des singles, hein. Ouais, on va partir sur des singles. Là, c'est pas possible. Allez, on est reparti. Ouais, on va partir sur des singles. J'ai plus de chance sur les singles, en général, sur le portail tout doublé. Putain, par contre... Putain, j'en vois 5 capsules, 6 capsules. Moi, j'ai quoi? J'ai rien, les gars. Et en plus, ah, pas mal. Pour le Ginyu LR, même s'il arrive. Ah, quoique, attends, il arrive pas pour les 2 ans, le Ginyu LR? Ah, je ne sais plus. Allez. S'il vous plaît, donnez-moi Manu Vegeta LR, les gars. Après, on n'en parle plus. Putain, mais 3 fois d'affilée que j'ai rien, les gars. Putain. Et j'ai 0 chance. Non. Allez, peut-être un SSR. Allez, un SSR. Ah, Dodoria. La carte est belle, je trouve. Hein. Pour une carte de merde, la carte est jolie. Hein. Moi, j'aime bien, en tout cas. Moi, j'aime pas mal. Elle sert à rien, mais elle est pas mal. Ah, putain, il y a un pigeon qui s'est ramené. Bon, tant qu'il fait pas de bruit, on va pas le tège. Enfin, pour l'instant. Allez, on continue. Oui, invocation. Oh, putain, il nous reste combien? 8 singles. Ça va être dur, hein. Je pense pas la voir. Ça tend à droite. Ah, relâcher arc-en-ciel, transformation. Oh putain, je... Bon, pour l'instant, ça me fait quoi? 4 SSR, c'est ça? 4 SSR pour 100 DS. Ouais, ça fait du 20%, hein. On est dans les taux, mais bon. C'est tout doublé, quoi. Quand tu sais que sur tout doublé, tu peux avoir des multi avec 6 SSR et tout ça, c'est rare, mais ça arrive, hein. Ah, ça tend à gauche. Ça fait plaisir. Non! Non, pas de relâche arc-en-ciel. Je veux pas un SSR du détecteur. SJ3, non. Allez, là, c'est un SSR. Et putain, c'est C18. Oh non, putain, 140 DS juste avant les 2 ans. Pour rien, ça se trouve. Après, c'est pas fini, hein. 2, 3, 4. 4, il se transforme, s'il te plaît. Ouais, il se transforme. Enfin, non, j'aurais préféré qu'il se transforme pas, du coup. Ça aurait peut-être été un bye guys. SJ3, non. Putain, j'ai pas l'impression de le voir, le taux doublé, hein. Oh là là, mais c'est qui, lui? Cacao. Enfin, oui, je le connais, mais cacao, quoi. C'est pas un sbire de Thalès, lui? Ah, je sais plus.
Oh, je sais plus. Mais c'est de la merde en tout cas. C'est de la grosse merde. Ah, oh, je suis dégoûté. Ça sent hyper mal pour le Madin VGTLR. Une capsule, putain, mais moi j'ai... Ben, attention, un petit SSR peut-être. À chaque fois, moi j'ai une capsule et tout ça, c'est dingue quoi, c'est dingue. Il y a des mecs qui se tapent des 3 Shenron d'affilée. C'est dingue quand même ce jeu. Vegeta, un SR qui se vend 1000 points chez Baba. Bah d'ailleurs, il va servir à ça. Hein. Il va servir à ça, il nous reste 4 singles. Oh là là, j'ai envie de craquer encore, mais je me dis, allez, 2 ans bientôt. Putain, mais quoi, mais... Une capsule, mais sérieux. Sérieux, quoi. Plus t'invoques, plus t'as de la merde, c'est pas possible. Une capsule, je me suis tapé une capsule d'affilée, 3-0 capsules d'affilée. Krillin, tu sers à rien, mon frère, tu sers à rien. Oh, je suis dégoûté, les gars. En fait, j'y ai cru. Je me suis dit, vas-y, 140DS, il y a moyen. Putain, ça tend à droite. Il n'y a rien qui est fait pour nous faire plaisir. Hein. J'aurais mieux fait de faire... Ah non, par contre, tu fermes ta gueule, le pigeon. Hein. Bah, attendez, je vais le tège. On va voir ce que je vais avoir. Re, voilà, je tèche cet enfoiré de pigeon, là. Putain, cacao, quoi, mais cacao. Il reste deux singles. Oh là là, oh putain, Satan à droite. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai que des trucs d'affilée? 3 d'affilée, 0 capsule. 2 d'affilée, 1 capsule. Et 2 d'affilée, Satan à droite. C'est nul, ça. Putain, donnez-moi des 5, 6, 7 capsules. Allez, putain. Goten SR puissance. Allez, on est parti pour la dernière single, les gars. Dernière single, ça fait mal au fait, ça. Oh là 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 là. Oh, 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 on termine sur un SSR. Attention. Putain, s'il te plaît, donne-moi de Majin Vegeta. Allez, on sait jamais. Allez, je ne regarde pas. Allez, pitié, Majin Vegeta. Attention, je regarde. Oh, putain. Oh, Isu, putain, non, je l'ai déjà. Il est utile, hein. C'est le nuker puissance, mais je l'ai déjà. Re, les gars, bon, on est reparti, hein, j'ai craqué, hein, je peux pas laisser le truc là-dessus, hein. Donc on est reparti, j'ai encore pris des DS. Ah, oh, c'est pas bien, tain, ce jeu, c'est un enfer, ce jeu. C'est un gouffre, le truc, c'est un gouffre pour du temps et pour l'argent, c'est incroyable, ce jeu, j'en peux plus de ce jeu. Bon, allez, c'est reparti, on va essayer de le dropper, même si je veux pas l'avoir, et là, ce sera encore de l'argent mis dans rien, les gars, mis dans rien. Qu'est-ce qu'on a? Un Gohan, c'est la première fois que j'ai cette carte, je crois. Pour un SR, ouais, c'est la première fois que je l'ai. On va repartir sur une single, et après on va terminer sur une multi, parce que les dernières singles nous ont chié dessus, clairement. Donc on va terminer sur une multi, on espère avoir une très très bonne multi. Oh. Non, pas de relâche arc-en-ciel, ça va être dans le détecteur, je pense. Allez, Majin Vegeta, ou Broly à la limite. Allez, Majin Vegeta. Attention. Ah putain, Vegeta Super Saiyan puissance, enfin Blue puissance, je l'ai déjà. Bon, après, si j'ai l'intelligence 1 de ces 4, ça me servira à monter l'aspect. Et on va terminer sur une multi, les gars. Et après, on n'en parle plus, j'arrête sur ce portail. Après, c'est terminé. Ouais, après, on n'en parle plus. J'invoque plus sur ce portail. Putain, mais passe à temps à droite, mais. Ah, t'es un vrai enfoiré. Et ce jeu, c'est un bordel, quoi. Ils se rendent pas compte. Oh, j'ai eu peur. Ouh. Oh putain, j'ai eu peur, les gars. Ouh. Bon, un SSR. Son Goku Super Saiyan GT AJ. C'est un SSR que j'avais pas non plus. Oh, Majoub. Attention. Encore un SSR. Non. Botamo. Trunks Super Saiyan. Whis. Allez, je vais vite là parce que je sais que je vais pas avoir le Majin Vegeta. Hein. Ah, Guldo, je l'ai déjà, celui-là. Nail, Xeno Trunks 3 SSR, putain, mais je l'ai déjà, je l'ai eu tout à l'heure. Gohan GT. Et on s'arrête là, bon, 3 SSR. Oh, j'ai le seum, les gars, j'ai le seum. Pas de Majin Vegeta pour moi. On tentera des singles du désespoir avec les DS offertes en cadeau. Oh là là. Bon, récapitulatif de ce qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, on va mettre... Tac, non, pas ça qu'il faut enlever. Qu'est-ce qu'on a eu en 200 DS, du coup?
on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 SSR récapitulatifs de Majoub qui me servent à rien, de Xeno qui me servent à rien, lui il me sert à rien, lui je l'ai déjà, lui je l'avais pas, mais bon voilà, il sert à rien. Et lui je l'avais pas, mais il est utile, enfin il est pas utile pardon, mais il est beau, en tout cas il est beau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je suis un peu dégoûté, voilà, pas de Majin Vegeta LR pour ma part. Voilà, 200 DS gâchés alors j'aurais pu les garder pour les 2 ans, bon c'est pas grave, hein. On va relativiser, il y aura beaucoup de DS pour les 2 ans. En tout cas voilà, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez droppé du lourd et surtout des LR. En tout cas prenez soin de vous et à la prochaine.